Follow me. Follow me, whistle for crying. Au 8e album ? Il est défi au 8e. D'accord, j'ai cru entendre avoir déjà sorti 8 albums. C'est moi qui n'ai pas bien suivi, hein, j'ai pas bien compris. Alors là, maintenant, vous allez sortir le 8e album. Hein, et c'est pour quand Là, disons, au mois d'août, au 7 septembre. Et là, on peut les sortir. Espérons que nous aurons l'exclusivité ici sur On Air de la sortie de ce nouvel album d'Évangéliste Douarnenez. Et d'ailleurs, pas des moindres, en tant qu'artiste gospel. Alors si aujourd'hui, il faut vous présenter, que direz-vous à tous ces téléspectateurs qui vous regardent actuellement? Monsieur Zach Douarnenez, c'est un chanteur, musicien. Aujourd'hui, on va pas, ça va arriver demain matin. Donc, Dieu, il a fait beaucoup de choses pour moi. Moi, j'étais dans le monde. Disons, 10 ans arrière, ceux qui me connaissent, ils ne me connaissent pas. C'est dans le monde, toi-même, avant, tu me connaissais. Tu vois, maintenant, tu as vu les changements chez moi. Avant, Dieu faisait beaucoup de choses qui ne faisaient pas plaisir que le Seigneur. Mais depuis que j'ai reçu l'appel de Dieu, ma vie a changé complètement. Quand tu lis la Bible, il dit, dès que quelqu'un vient dans le royaume de Dieu, il commence à voir les nouvelles choses. Après toutes ces choses anciennes, c'est passé. Donc maintenant, je vous parle de ma vie, nouveau vie de ma vie. Donc Dieu, il est puissant, Dieu, et même, parce qu'ils sont au cours de mourir, Dieu m'a sauvé dans l'accident. Donc Dieu, avant qu'il m'a sauvé, j'ai dit Dieu, je vais te servir, toute mes familles vont te servir jusqu'à le jour où tu m'appelleras. Donc Dieu, tant que moi je suis sur cette terre-là, je vais parler son nom. Dans ma musique, je parle que Dieu est son fils. Ça fait beaucoup d'années que je fais ce boulot-là. Avant que je reçu l'appel, moi-même, j'ai senti que l'ancien Dieu est sur moi. Donc aujourd'hui, je remercie tous ces gens qui me soutiennent, tous ces gens qui m'écoutent, que Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup qui est en train d'arriver. Alors nous allons rappeler aux téléspectateurs, au public, que vous êtes de nationalité ghanéenne. Ghanéen, voilà. Et vous vivez entre la France et la Suisse. Alors, nous allons laisser le soin au public de découvrir quelques-uns de vos titres. Monsieur Dua Isaac, c'est un monsieur qui était né beaucoup d'années au Ghana, qui ses parents l'ont fait venir en Europe, donc de passer par l'Italie. Après, je suis venu à Genève ici. Et maintenant, je me trouve en France. Donc, là, je suis là pour vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis là pour vous parler de toutes les chansons que j'ai chantées dans le monde entier. Que tous ces gens qui me couvrent, tout le monde qui m'aime, vous attendez encore plus que là, je suis en train de sortir mon 8e par la grâce de Dieu. Alors, je suis obligé de faire ce qu'ils m'ont choisi de faire. Donc, parfois même, moi, le cœur est fermé. Parfois, je me trouve que le cœur est fermé. Mais je ne pouvais pas rester parce que c'est l'esprit qui me pousse. Oui. C'est l'esprit qui me force. Je dis, non, mon fils, il ne peut pas le faire. Tu comprends? C'est pas moi qui a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Donc, les paroles, ces mots, ces mentions, c'est sur vers moi. Donc, j'ai dit Dieu, merci parce que ça, l'argent ne pouvait pas acheter. Tu vois, l'ancien de Dieu, la grâce de Dieu, l'argent, l'or ne pourrait pas acheter. C'est quelque chose est vraiment spécial. Parlons-en de cette. Vous avez parlé de. Non, je vais reprendre ça. Maintenant, parlons-en de votre carrière. Vous avez parlé de votre 8e album. Alors, dites-nous en plus. D'accord. Là. J'ai commencé à sortir mes albums pendant le Covid là, 2020. Donc, janvier, j'ai sorti mon premier album parce qu'en ce moment, j'étais à la maison et je ne faisais pas rien parce que nous tous, on a vu c'est ce que Covid est venu à faire. Donc, j'étais à la maison. Donc, puisque j'étais à la maison là, puisque je m'entraînais beaucoup, donc, chaque fois que je reçois le message, je ne dois pas avec le message. Je suis quelqu'un qui est vraiment, je suis vraiment strict. Quand j'écris des chansons, quand j'écris quelque chose, donc Dieu m'a donné ça aussi. Donc je suis quelqu'un, je peux rester ici, dans 10 minutes, tu viens, tu vas me trouver que j'écris beaucoup de choses que toi-même tu ne pourrais pas même imaginer. Donc ça aussi, c'est un don que Dieu m'a donné. Parce que si tu regardes au niveau d'artiste,
pendant 2 ans avec 8 albums. C'est énorme. Sur cette là, tu ne pourrais pas voir un artiste qui peut faire 2 ans, 8 albums. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est ça qui, l'esprit qui parle. Moi-même, tu vois, je suis assis ici, mais l'esprit qui est dans moi, c'est grand. Tu comprends? Voilà. Et rappelons tout aussi que vous participez à des concerts live, à de gros événements. Voilà. Là, par la grâce de Dieu, en France, faire de la musique en masse, j'ai envoyé ma candidature, donc là, ils m'ont confirmé. C'est-à-dire, au mois d'août, M. Edouard Isaac, l'artiste, il va performer là-bas. Par le pasteur. Voilà. C'est l'artiste qui parle. Oui. Voilà. Après, mon église aussi, ils m'ont fait quelque chose de très grand pour moi. À cause de moi, ils ont fait un petit gospel show pour moi. Donc, à la fin, j'ai vu que les millions étaient vraiment intéressants. J'ai touché beaucoup d'âmes. Donc là, je commence à avoir beaucoup de contacts. Disons que cette année aussi, après le fait de musique, je me suis dit, il va faire beaucoup de choses. Donc, j'ai dit, tous les gens qui m'écoutent, sur le fait qu'il n'a qu'à entendre ce que M. Isaac, Dieu va lui faire en nouvelle. Nous reviendrons sur les albums du Reverend, de l'évangéliste Doua Isaac, juste après un petit a cappella que le pasteur, s'il veut bien nous offrir, l'offrir au public pour découvrir de quoi il est capable en live lors des événements. Et juste après cela aussi, nous parlerons. Jesus is our way. Jesus is our way. Jesus is our way. There is no other way. Jesus is our way. Jesus is the way. Jesus is the way. There is no other way. If anyone mistakes, let's sing for Jesus. When you believe, He will give you water to drink. Christ living water, nothing compares. I'm calling you to drink to your belly. Bravo, 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 bravo. If magnifique. Anyone mistakes, let's sing for Jesus. When you believe in. Évangéliste Doua Isaac, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de On Air, tout en espérant vous revoir d'ici peu, d'ici très vite d'ailleurs, pour parler d'un tout autre sujet, par exemple sur les sujets des faits d'actualité, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde, qui vous interpellent aussi en tant que de Dieu. Certainement, vous avez entendu parler de cette situation qui se vit à Dubaï avec nos sœurs. Voilà. Et puis, si par exemple, vous vous posez la question de savoir que pensez-vous de cette situation, que diriez-vous en fait, en tant qu'évangéliste? Et nous vous disons à très très bientôt. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous via les informations qui défilent sous l'écran et bien aussi d'entrer en contact avec l'évangéliste Doua Isaac pour tout besoin. N'hésitez surtout pas à toute prestation ou encore si vous souhaiteriez partager un moment spirituel d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.